Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD et plus précisément la campagne de Saladin, de la campagne des rois. Et aujourd'hui, nous attaquons la sixième mission de cette campagne et la dernière qui s'intitule Le Lion et le Démon, que nous avons tout de suite lancé. La ville d'Acre. Cela fait presque 21 ans que j'accompagne Saladin dans ses chevauchées. Quand la nouvelle de la victoire de Sarrasin à Jérusalem est parvenue en Europe, une autre croisade a été lancée. Les rois des trois nations les plus puissantes de l'Europe, l'Angleterre, la France et l'Empire romain chrétien, se sont embarqués pour la Terre Sainte avec des centaines de milliers de troupes. Saladin sait que son plus redoutable adversaire est Richard, cœur de lion d'Angleterre. Un brillant tacticien qui a appris l'art de la guerre en combattant contre son propre père. Il érige de colossales forteresses et combat toujours sur les lignes de front l'idéal d'un guerrier romantique. L'armée de Richard a accosté près d'Acre. Une grande partie de l'armée de Saladin est bloquée dans la ville, tandis que deux monstrueux trébuchés anglais pilonnent les murs d'Acre. Si Richard parvient à infliger une défaite à notre armée ici, il pourra entrer dans Jérusalem sans rencontrer de résistance. Saladin sait que c'est le point culminant de son djihad. Toutes les villes des croisés sont tombées. Si les Sarrasins parviennent à tenir bon à Acre, les Européens seront obligés de retourner chez eux. Si Acre tombe, le cauchemar de cette guerre interminable qui dure depuis un siècle, avec les attaques et les contre-attaques, va recommencer. Toutes les victoires de Saladin n'auront servi à rien. À savoir qu'Acre est important étant donné que c'est un port, donc pour le débarquement de troupes, c'est parfait. Construisez, défendez une merveille. Je passe très vite. Donc ça peut être difficile, il faut construire le bâtiment quand on en a besoin. Dès que je peux construire, je rase les maisons, ma merveille. Et essayer d'attaquer tous nos adversaires. De l'Ouest. Nous allons leur faire voir des choses qu'aucun Européen n'a jamais connues. Donc ici. Nous tirons dans le but de tuer. Hop, 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 hop. Hop. De toute façon, le but c'est d'avoir très rapidement beaucoup de bouffe. Cette recherche là, il nous la faut assez vite. L'avant-poste perse peut nous envoyer quelques troupes à un moment, donc l'ennemi. Ils ont des bonus, bien évidemment, d'équipe qui se cumulent entre eux. Donc les Britanniques en bonus d'équipe, c'est. Voilà, quand ils tirent plus vite. Le bonus des Francs, et je fais en plus de lignes de mire. Et c'est quoi les autres factions? Byzantins, Britanniques, Teutons. Donc il y a aussi Byzantins, donc le bonus des Byzantins se rajoute à ça. Les moines guérissent plus vite. Et Teutons. Leurs troupes sont plus résistantes à conversion de mémoire. T'es résistante aux conversions, c'est ça. Donc très joyeux. Hein. La merveille, vous la construirez. Si possible, pas vers l'eau. Si possible, pas vers l'eau. Donc les Francs seront l'un de vos adversaires et plus facile à contrer. Et vous verrez un peu plus tard pourquoi. Tant qu'ils attaquent ça, c'est bon. Tour des mouches 13 plus 2, 6, 6, 12. Ouais, 12 et châteaux peuvent tirer K 11. Donc là, on va se méfier. On va. La tour des mouches est une. La tour des mouches à tour maudite se régénère automatiquement et sont de puissantes tours à protéger absolument. Ne cherchez. Surtout la tour là. La tour maudite est l'une des tours les plus importantes dans votre fortification. Donc protégez-la. L'or est assez important pour pouvoir faire beaucoup d'échanges. La pierre est importante. Enfin, normalement, vous pouvez construire votre merveille dès le début. Mais il vous faut rapidement quelques recherches quand même, notamment les mammouths d'élite.
parce qu'on va pas se mentir, avoir des mamelouks qui tapent fort, ça peut être pratique. Je me suis fait couillonner. Moquez-vous que des. J'aurais dû être plus prudent que ça. Donc ici, toutes les recherches ont été faites. La nourriture, oui. Ça... Disons en fait, la nourriture sera un peu votre. Votre difficulté de ressources à obtenir. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, les Français seront l'un de vos ennemis, je trouve, les plus dangereux. Du fait de leurs unités à Cannes. Enfin, toutes les factions qui font des unités à canon sont chiantes. Ouais. Je ne sais pas, c'est possible de raser un adversaire tôt. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Par contre, vos mamelouks sont très... Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Par contre, vos mamelouks sont ultra efficaces contre les Français. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça sera même votre meilleure arme contre vos mammouths. L'or commence à diminuer, ça c'est tout à fait normal. Hein. Ouais, faut que je me priorise sur les ressources dont j'ai besoin. Les flottes, j'essaierai pas d'aller dans la mer, donc ça je m'en fiche. Je pourrais commercer peut-être avec l'avant-poste perse, qui me rapporterait de l'or. A voir. Je réfléchis. Hein. Gênes fera que des assauts maritimes. Normalement, avec la tour des mouches, ça devrait suffire. C'est drôle de nom à donner à des structures défensives, je sais. Je pourrais peut-être... A voir si je... Je sais pas s'il est possible de raser. Je sais que j'ai rasé mais quelque part ici, donc je scoute un peu avec mon galion. Je vais éviter de le perdre quand même. Juste pour analyser la situation de comment va se présenter. Un petit débarquement pourrait faire très mal. Avec quelques trébuchets. Donc là, je vais en prendre 3. Non. Bien construire l'intérieur des terres. On détruit tout ça. C'est le meilleur emplacement pour construire un merveille. Et si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fiche. Parce que. Je sais que c'est le meilleur. Ouais. Ah bah. Parce que j'ai construit à tellement d'endroits cette merveille qu'au bout d'un moment je sais où il faut construire. Par contre, c'est vrai que. Attendez, est-ce que la recherche est faite? Sinon, je ne sers à rien. Voilà, médecine aux plantes. Alors, faut savoir que médecine aux plantes arrive avec l'extension The Conqueror. Alpha Empire FG incorpore The Conqueror de base dedans. Donc Jed va me lancer un assaut naval. Et eux aussi. C'est Richard Cœur de Lion. Il attaque. Jérusalem se dirige vers nos remparts. Navire de guerre génois en vue. Génois en vue, c'est génois. Attention, ces deux trébuchets-là sont ultra puissants. À détruire rapidement. Deux unités héroïques, d'où fait que je me fous. Avec une portée supérieure aux autres. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Voilà. Voilà, donc vite.
Vous voyez, la tourée elle se régénère petit à petit, donc c'est pour ça que je... Comme toujours, je recherche... Alors, je fais énormément d'escarmouches à l'extérieur, c'est en fait, je recherche ces troupes ennemies avant qu'ils arrivent vers mes remparts. Où est-ce que... Oh, le... Les navires de guerre doivent se dépêcher un peu. C'est bon, le bois avance bien. Cette technologie a pris beaucoup de retard, ce qui est dérangeant. Jérusalem attaque. Avec beaucoup beaucoup de trébuchets. Les Templiers s'apprêtent à attaquer. Je crois bien que je vais avoir du mal, sincèrement. Cette tour va tomber, je peux rien faire. Ah non, c'est un muraille qu'ils ont attaqué. Oh génial. C'est un muraille qu'ils ont attaqué. Génial. Ouais. Donc les chevaliers teutoniques. Voilà, donc le bois, niveau bois, je suis bon. Marché, j'ai un marché normalement quelque part. Oui, bah, donc ça, je le vois. Forcément d'avoir plus l'or, faut gagner beaucoup, quoique je peux me permettre de faire quelques fermes. Voilà. Donc cette recherche-là ainsi que celle-ci vont être faites. Toujours dans cette logique de maximiser mes troupes et leur résistance. Navire de guerre génois en vue. Est-ce que ça coûte cher? C'est en dessous de 100, c'est bon. Donc j'ai augmenté de 2 l'attaque de mes troupes. Enfin de mes unités à distance. Cette tour maudite qui a 6 de portée sera excellente par contre. Normalement les Génois vont faire que des galères quasiment. Cette recherche-là sera très utile aussi. Et voilà, c'est comme toujours, ça demande... Encore et toujours plus de ressources.
beaucoup de bouffe, qui est, on va pas se mentir, un peu ma denrée rare, hein, quand même, dans mes... Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Même si je pense que ce sera plutôt le bois qui sera un problème plus tard. Donc c'est pour ça que j'économise beaucoup de bois. Jérusalem se dirige vers nos remparts. Donc ça, préparez-vous à beaucoup d'armes de siège. Voilà. Donc mes châteaux. Voilà. 6000 PV, ça sera... C'est surtout pour le château maritime que je l'ai fait. Je pense que vous voyez quel que je parle. Pour celui-là que j'ai fait surtout cette recherche. Alors vos mamouks sont ultra puissants, c'est pour ça que j'en abuse. Parfait, ils sont pas à portée. Ils sont à portée de mes murailles, mais pas à portée de ma tour. Oui, si, par contre. Toujours avoir quelqu'un... Ah, parfait, il m'en reste un. Voilà. J'ai arrêté l'assaut de Jérusalem et votre assaut en même temps. Français plus Jérusalem. Donc j'ai le droit à un petit répit. Qui va me permettre de faire cette recherche là. D'ailleurs, c'est toujours plus rapide, sachez, de démolir le bâtiment et de le reconstruire. Donc, si vous êtes bon, faut juste éviter que l'ennemi aille dessus, bien évidemment. Sauf bien évidemment pour cette tour là qu'on va jamais démolir du fait de son utilité. Mais les portes et les murs, parfois, vous avez meilleur temps de les démolir que de les réparer entièrement. Donc si nécessaire, faites-le. Dommage que j'ai pas également un canon, sinon je ferai un assaut et je détruirai un peu Jérusalem. Enfin, les troupes de Jérusalem. Les Templiers s'apprêtent à attaquer. Alors, les Templiers, à savoir que c'est les moins dangereux. Leurs béliers sont faciles. Vu que c'est des unités qui sont assez grandes de base, vraiment les plus dangereux, c'est... Jérusalem, franc, britannique, britannique, oui, à cause de leur unité à distance, et c'est tout. Ouais, c'est dans cet ordre-là que j'y mettrai. Donc, la bouffe, ça avance bien. Ma flotte, même si elle est faible, c'est bon. Or, par contre, ça, il m'en faut énormément d'or. C'est bien. Eux, ils me récupèrent tous les poissons. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à dire sur cette mission, à part qu'il faut... Quand les ennemis attaquent, voilà, ils attaquent tous à un roulement. Ils attaquent tous au bout d'un certain temps. Ce qui est vraiment dur, c'est quand ils attaquent un peu... C'est au début, quand les Britanniques envoient leurs deux trébuchets, là... C'est l'un des moments les plus durs. Parce que leur portée est tellement supérieure à vos bâtiments qu'ils peuvent même détruire cette tour-là. C'est vraiment à cause de cela que vous perdez cette tour-là. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Je crois que ceux qui attaquent le plus souvent, c'est les Français. Par contre, il y a ces troupes qui ont besoin de repos. Monseigneur Saladin, le chat de Perse envoie des renforts. Ouais, c'est la seule fois qu'il va m'en envoyer, c'est sûr. On va peut-être faire croire qu'il est...
Mais à savoir que c'est ce moment où il va vous envoyer des troupes, en fait, le chat. Il va vous envoyer certes des bonnes troupes, hein. En soi c'est quand même 5 éléphants de guerre. Hein. Mais bon, voilà, c'est 5 éléphants de guerre. Navire de guerre génois en vue! Jérusalem se dirige vers nos remparts. Ils sont en train d'envoyer. Voilà, c'est ça le souci, c'est qu'à un moment ils vont un peu cumuler leur tour en votre troupe. Ça c'est parfait. Maintenant on sait. Par exemple, c'est des petits détails comme ça qui sont importants, c'est de savoir où sont les troupes de siège. Vu qu'ils peuvent attaquer par trois axes, faut toujours trouver là où ils se regroupent. Qu'est-ce que font les Britanniques? Pas mentir, c'est. Mais j'ai toujours. Quand je vois pas un adversaire, j'ai toujours peur qu'il me prépare quelque chose que je sens de passer. D'accord, ils ont décidé d'enfoncer carrément mon port. Ok. Mais en pétant plié, ça fait un moment qu'ils ont dit qu'ils attaquaient, ils sont toujours pas arrivés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, sincèrement, le port, c'est un de vos meilleurs endroits pour vous défendre. Enfin, je vais pas dire meilleur, parce que ils peuvent toujours passer s'il y a... Ils peuvent toujours passer hein, par cet endroit, mais... C'est pas le pire, quoi. On peut se défendre. Généralement, dans le port, on se défend plutôt bien. C'est ailleurs, c'est généralement ailleurs où ça craque. Et je vais faire quelques gagnants à canon pour justement détruire Jérusalem. Ils sont quand même encore blessés. Hein. Par contre, préparez-vous, cette mission est quand même plutôt longue, donc prenez un café ou deux. Bah, donc, attendez, juste regarder quelque chose. Dégâts 35, dégâts 45. Donc, la recherche serait pas profitable étant que je peux pas. Les Templiers s'apprêtent à attaquer. Alors, ce qui est sûr. D'ailleurs, vous me dites si vous avez vu que pour ma l'assaut des Templiers tout à l'heure. Mais je suis au courant que vos fermes s'épuisent. Je ne peux pas grand chose. Voilà, donc c'est des... Comme je vous ai dit, dès que c'est des cavaliers, vous en faites une boucherie avec vos mammouths. Hein. C'est sincèrement, c'est quand ils vous attaquent avec ces unités-là que vous êtes vraiment content, parce que vous savez, vous allez leur en faire une boucherie. Les soldats français se dirigent vers nos remparts. Les Français, à part leur canon, enfin toute leur unité à poudre qui sont dérangeants. Leur cavalier, c'est facilement contrable. Oh, il y en a... Attendez, il est où plus blessé? C'est tout blessé. D'accord, les Templiers sont en train encore de continuer leur assaut. Alors, les plus blessés, j'y laisse dans le château parce que. Bah, on va laisser ces deux-là.
Ah, on fait aucun dégât contre eux par contre. Donc là, on contourne et on va ici. Jérusalem se dirige vers nos remparts. Tant qu'il m'attaque pas cette tour, c'est bon. Tant qu'il m'attaque pas à tour, c'est bon. Tant qu'il s'attaque pas ma tour, c'est bon. Navire de guerre génois en vue. Je pars pas beaucoup, mais à un moment je suis obligé. Je peux pas. Pas faire que parler. Et encore, sachez que la dernière campagne qu'ils ont ajoutée, enfin, les derniers DLC à rajouter des missions tellement dures. Déjà qu'en normal, j'ai eu du mal à les faire, je vous laisse imaginer en difficile. Je sais même. Déjà, je les ai même pas fini en intermédiaire.